Hey, oh matelot! Nous voici réunis pour l'épisode numéro 5 de Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed 4. Donc voilà, on s'en est arrêté après le braquage du Jackdaw qu'on a récupéré. Et nous revoici sur les mers à voguer. Donc là, dans un premier temps, nous allons devoir naviguer jusque Abaco Island. Alors, voilà, Abaco Island quoi. Du coup, on y va direct, comme ça, comme des rebelles. On assiste à une magnifique aube. Et voici, il y a 2 minutes, il pleuvait, il faisait nuit, mais paf, d'un seul coup, look, il fait beau. Ah, c'est ça les joies de la mer. Donc voilà, oh, attendez. Donc voici, dans le jeu. Je vais les dévier. Voilà. Dans le jeu, il y a pas mal de petits trucs comme ça, des caisses qu'on peut récupérer, des caisses avec du rhum notamment, du sucre. J'en ai vu. Enfin, j'ai pas encore fait le jeu en entier. Je suis même très loin de l'avoir fini, mais j'en ai vu quelque peu. Et des équipages comme ça, des gens qui sont en train de se noyer que tu peux ramasser et du coup prendre dans ton navire. Là, pour l'instant, vu qu'on est au début, qu'on vient juste d'avoir le Jackdaw et qu'on n'a pas encore réellement la notion d'équipage, etc., on l'aura dans une mission. Bah d'ailleurs, je crois que c'est la dernière mission que j'ai fait. Sur ma partie. Une mission où on devait aller chercher des membres et pour les inviter dans l'équipage. Ouais, je vais me choper. Enfin voilà, nous voici sur une île. On a pour but. Oh mince. J'ai été un peu trop fort. Donc voici notre but. C'est notre but, c'est d'aller chercher, aller chasser et récupérer de la nourriture pour l'équipage et des trucs pour. Donc on peut utiliser la petite corde qui est là pour aller chercher ce dont on a besoin. Voici, enfin, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans un univers assez grand avec des bateaux qui se baladent en même temps que nous. Donc tirer sur un Iguane, effectuer un assassinat aérien contre un oslo. Le jeu, c'est pas très complexe. Donc l'oslo, c'est une sorte de chat. Ça doit être un félin aussi, je suppose. Alors pour voir les zones de chasse, c'est un peu comme à la façon Far Cry. Bon déjà, on va aller ici. C'est là pour voir où ils sont. Donc un point de synchronisation, comme il y en a eu dans tous les autres Assassin's Creed, et comme il y en aura dans tous les prochains, je pense. Je me rappelle du 1 quand on montait en haut de Damas, c'était le bon vieux temps. Donc voilà, maintenant on a un peu plus de repères sur la carte, et on sait la plupart des iguanes et où sont les oslots. Je sais pas si on dit oslo ou oslot comme un peu le genre de. De LOL. On va d'abord aller s'occuper de faire l'assassinat aérien sur le slot. Le slot. Excusez-moi, les gens qui sont accros à 30 millions d'amis et dont je me trompe le nom de. Oh, mais n'aie pas peur, je voulais juste monter sur un arbre te tuer. Bon, il doit y en avoir un dans le coin. S'il te plaît, dis-moi qu'il y en a dans le coin. En fait, la mission semble être plus difficile que je ne le pensais. Ah voilà, donc là-bas il y en a deux. On va essayer d'aller les voir. Ça c'est pareil, la notion de chasse ça a apparu sur Assassin's Creed 3, je me rappelle. C'est vraiment là la première fois où on a vu la chasse avec la neige et tout, c'était magique, hein, c'est toujours magique d'ailleurs. Oh mon dieu, s'il te plaît, monte sur la pierre. Pourquoi vous avez peur? Je suis gentil. Je vais juste en tuer deux pour l'exemple.
Bon, on va pas s'éterniser ici. On va aller directement voir les iguanes. C'est plus simple de tuer un iguane au pistolet que de faire un assassinat aérien sur un chat. Les iguanes font un peu flipper quand même, hein. Alors, âme sensible s'abstenir. Là, je fais donc, il y a pire quand même. Le crocodile, c'est je recherche des iguanes. Allez. Avec la chance que j'ai, je vais pas réussir à en trouver. Ah, si, là. Ta-dum, ta-dum. Mais c'est pas des bons comme ça toi. Oh merde. Non c'est bon, je l'ai eu. Viens par ici toi. Oui j'en ai tué deux. Oh le brain qui m'a fait. Bon j'en ai tué deux, voilà. Ça c'est réglé. Moi ce que j'aime bien aussi c'est le fait de voilà, il y a des îles, chaque île est différente. Il y a l'air d'avoir des choses à faire sur toutes les villes. J'ai pas, c'est la seule île que j'ai visitée pour l'instant. Voilà, il y a les coffres. Hop. Juste pour le plaisir de foutre un coup de pied dedans. Et du coup, on retourne voir les chats. Des sortes, c'est, oui, c'est des sortes de lynx. Ça doit être des félins, je pense. Dis-moi qu'il y en a un qui passe dans le coin. Oui! Je suis désolé. Oh, c'est beau quand même. Beau. Mais bon, tant que je les tue pas en vrai. Voilà, on a réussi les deux trucs. Donc voilà. Alors là, ils vont nous présenter un peu le menu de fabrication. Donc on récupère des choses sur les bestiaux. Et donc voilà, avec deux pots d'oslo, on va dire. On peut créer un étui à pistolet 2. Donc on va créer cet étui. Et ensuite, avec deux pots d'iguane, on peut se créer une amélioration de santé. Bon, ce qui n'est pas négligeable, on va avoir une barre en plus. Ils ont qu'à 5 barres, alors qu'à la base je crois qu'on en avait 4. 4 ou 3. Et du coup là on retourne sur le navire. Mais tu aurais pu... Alors on va voir un truc qui est pas mal. Qui est bien fait. Vraiment bien fait. C'est quand on arrive dans l'eau. Enfin, c'était déjà présent sur les anciens, mais là c'est encore plus drôle. Ah voilà. Allez, c'est parti. Je fais des pas de Google. C'est marrant. Voilà un peu l'épave. Hein. Franchement, là notre jackdaw il tire un peu la gueule. On a deux canons. Voilà, c'est. Il a appelé quoi. Roy, Captain, t'as ce qu'il te faut? Mes désirs et mes besoins sont séparés par une abîme, Adé. J'ai réussi à me fabriquer un nouvel étui. Reste plus qu'à trouver le pistolet. Tiens, il traînait dans la cale, comme tu l'avais dit. À peine mieux qu'une sarbacane. Mais ça ira. Alors, ils sont reposés? Ou tu veux qu'on reste ici plus longtemps? Mieux vaut remonter l'ancre. L'équipage brûle de retrouver la civilisation. Qui trouvera pas de civilisation en assaut. Mais c'est l'endroit rêvé pour prendre du bon temps. Et voilà, la mémoire numéro 1 a été faite à 100%. On va remettre un très bien. Franchement, je suis gentil avec Ubisoft. C'est vrai qu'ils font du bon boulot. Pardon. Incompris la grand voile. Unier, perroquet, cacatois. Du coup, j'ai débloqué les pistolets multiples. Et un stop. Je vais entendre qu'il a dit bonnette. Je sais pas pourquoi.
Et donc voilà notre but, on va aller là-bas. Je crois que c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Ça, c'est pas ici, mais okay. C'est les champs. On les gagne au fur et à mesure d'avancer dans l'histoire. Enfin, ça, c'est disons des objets qu'on va trouver. Parmi les pirates les plus prospères. Ah d'accord, ils ont rajouté un classement solo. Vas-y, sale chien de terre! Dis-moi que tu m'arrêtes! Dis-le! Tu les connais? Fiche le camp, boyo! Retourne chez ton maître! Aïe. On a été corsaires ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Donc nous voici à Nassau. La ville de tous les assauts. Oh, c'était nul. C'est là où tu peux tirer les chevaux pas avec des lassos. C'était encore plus nul. Bon, on va aller directement à la prochaine mission. Mais je pense que, vu où on est la prochaine fois, je pourrais peut-être récupérer ma vraie sauvegarde, celle où j'ai tout fait. Enfin. Je m'en suis arrêté quoi. Enfin. C'est pas difficile. Oh non, t'es sérieux. Donc là, on va à l'auberge. On va aller rencontrer les curieux personnages que Edward connaît. Bon Dieu, quelle joie de revoir cette frimousse. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut Kenway. C'est qui lui? Adéwale. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw? T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plus miteux. Adé, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle confédération. Ed Satch, Ben Hornigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet? Tu calmes, Ben. Adé m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver. Oh voilà, en fait ce qu'il vient de nous expliquer c'est qu'en haut à gauche, en dessous de la barre de vie de Kenway, on a le nombre des, enfin, l'équipage qu'on a actuellement sur notre bateau. On est à 0. C'est ce qui est curieux, c'est qu'on en avait déjà, mais enfin, je comprends pas encore très bien. On verra plus tard. Et donc là notre but c'est d'aller recruter les Jang. Donc voilà, on va aller. Hop. Vol. Alors, je vais regarder vite fait ce que j'ai. Désarmer et tuer les 3 gardes. Donc pour désarmer, je pense que c'est comme dans les anciens, faut se mettre sans armes. Hop. Comment on peut désarmer? Sérieux.
the bad days! After the last of them! Oh, c'est désarmé, c'est trois gardes. Ouais, hop! C'était désarmé. Ah, désarmé et tué, regarde. Merde, il est mort. Non! J'ai dit sans armes. Code de tricherie, oui, c'est cool. J'espère que ça va compter. Hop, on met 2 sur 3. Donc on va aller chercher 2 autres gardes random. Ce sera eux. Salut. Ce sera l'autre. Hop. Ça a compté. Ça a compté, c'est parfait. On est ready. Et on se passe. Alors bien sûr, moi je veux aller faire ceux qui sont les plus chiants à voir. On va retourner dans l'autre sens. Qui est-ce qu'on a? Ouais, ici on a les deux. Hop, ça en fait 2 en plus. 4, ah pardon, 4 en plus. Hop, et là-bas, normalement, oui, voilà, c'est le coup. Voilà, c'est bon. Tirer sur la corde pour sauver le pirate. D'accord. J'espère réussir. Il faut que j'aille. Allez, voilà. Là, faut que j'aille où j'allais. Je voulais aller. Sont bien rechargés. On va y aller. Ce pirate a les mains rouges du sang d'un grand. Ouais, vite, vite. J'ai vu des soldats passer vers un homme. Ils vont le pendre. Si, si, la famille. Allez hop, viens là. Le Napoléon. Hop, là tu dors. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais je vais te niquer, toi. Cover. Mais tu la cherches, toi, hein? Ouais, tu la cherches. Hop, hop, headshot. In your face, motherfuckers. Non, non, c'est naturel. Et donc voilà, on rejoint la taverne. Ça va, c'était pas aussi compliqué que je pensais que ça allait être. Ça, c'était de la phrase. Aidez Malou. Alors, j'imagine que tu vas filer vers des eaux riches en butin. T'as déjà entendu parler de l'observatoire? Aïe, c'est une vieille légende, comme l'Eldorado ou la fontaine de Jouvence. Qu'est-ce qu'on raconte? Que ce serait un tombeau ou un temple, et qu'un trésor y serait caché. C'est ça, regarde. Bon sang.
Tu préfères les contes de fées à l'or maintenant, c'est ça? Ça vaut bien plus que de l'or, Satch. 10 000 fois plus que ce qu'on peut trouver sur un navire espagnol. Voler le roi pour donner aux pauvres, voilà comment on gagne notre pitance ici. Ce n'est pas une fortune, c'est une chimère. Donc on va aller directement à la prochaine mission. Et je pense que après on s'arrêtera là vu qu'il est déjà. Ça fait déjà 21 minutes. Je crois pas que je l'ai fait aussi. Ça va être là. Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Ton timonier, Kenway. J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? Oups. Parti tout seul. Une fois que t'as acculé ta prise, tu dois incarner l'autorité et imposer plus de respect que tu t'en accorderais à toi-même. Ça mettra les esprits. Donc on se retrouve encore sur un didacticiel. Pour apprendre à gérer le bateau. Que tu peux exploser comme un diable et les ouvrir en deux comme des fruits mûrs. Utilise tous les canons que tu voudras et n'hésite pas à y rentrer dedans. Mais pour l'amour de Dieu, ne le coule pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais pas impossible. Un navire en feu est hors d'état, vous pouvez alors approcher et... Ok, appuyez sur B pour l'aborder. Mobilisez et prends l'eau de toutes parts. Alors fais taire tes canons. Et assure-toi de ne pas le couler. Approche doucement. On va préparer les grappins. Réduisez la toile. Peut-être on va faire le tour. Gargus, arrêtez-moi, vite! J'espère pas se taper. Voilà. Oh, c'est pas mal ça, les grappins là qui arrivent. Hop, moi je vais m'en choper un. Whoop. Ouais, t'es sérieux toi? Comment il m'a stoppé? Je regarde s'il n'y a pas des quêtes annexes. Tuer le marin. Okay. Et tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigold et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? Non me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico.
L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Vous pouvez répéter? Oh, mon Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Récupérer. Pas rassurant de naviguer avec une unité dans... Il va falloir qu'y faire. Et il faudra bien d'autres prises pour que cette journée soit profitable. Ouais, c'est un petit bateau de rien du tout, je sais pas si c'est un bon. Bon sang, c'est raté. Tout ça vous passe très vite. Parfait. Comment on peut faire? Bon. Voilà, ça. Hop, je vais te sauver. Mais... ouais, voilà. Moi je veux un vrai bateau, un bateau pour me tuer en plus qu'un coup parce que... Capitaine, le coup bien placé à cet endroit. Prêt à faire peur. J'ai entendu le capitaine. Un navire nous prend en chasse. Un schooner. Il porte le... Yeah, vous autres. La grande... Comment c'est possible, je comprends pas. C'est ça qu'ils appelaient marin? Je m'occupe. Ah non, ça aurait été trop beau. Mine en vue! Tire sur les mines qu'il met à l'eau! Allez hop, t'es mort toi. On attend de l'ordre! Toute la toile au vent, lâchez tout! Oh là là, la galère! Les mecs, le temps qu'on les aborde, ils ont le temps de mourir de vieillesse, quoi. Réduisez la toile! Ne traînez pas! À vos voiles et carguez! Le capitaine est à la main! Sérieux? La faucheuse va leur rendre visite! Ah, c'est ça, d'accord. Non. Pourquoi tu l'as lâché et...
Reprends-le le truc. Oh là là, c'est pas ça. Aujourd'hui, Kenway. Encore une demi-douzaine comme celle-là et tu seras tranquille pour un an. Du coup, j'ai failli. Récupérer, vrai, unité. Tranquille pour un an. Ce que je veux, c'est être tranquille pour toute la vie. Devenir le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Mon Dieu, cesse de rêver, mon gars. C'est à Nassau qu'il faut vivre, pas en Angleterre. Tu ne rêves jamais de faire une prise légendaire. Un navire tellement chargé de richesses que tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de coffres de pièces d'or. Mais ils sont aussi rares que les rois honnêtes. On est paré, Capitaine. On est paré, Capitaine. S'enfuit. Tirez-vous le chaînier pour le ralentir. Feu. Tirez là, Capitaine, juste là. Attention. Ennemi, des feux. Des ferlés, des réglés. Une volée sur nous. Déferlez la grand voile à moitié. Allez, hey, on va essayer de choper celui-ci. Relevez-vous ! Vous perdez rien pour attendre ! Hop ! On va aller l'aborder. Récupérer les 20 trucs. Et après, ça sera bon, ça sera la fin de l'épisode. T'es mort. C'est mort, voilà. Allez, récupère 20. 10 plus 10 euros. Okay. J'ai eu les 20 drones. Non, pas encore. Larguez la grand voile. Allez, du nez. Ah, il y a encore le. Une fois qu'on l'aura eu, ça devrait être. Attention, Edouard. Essaie de pas me brûler. Les gars. Oh là là. Headshot. On est bout de la toile. Plus vite que ça. Allez, on se le fait vite fait là. Hop, 3 et le 5ème.
C'est réglé. Et voilà. Donc là, on arrive. Oh, non, encore. On a trouvé de quoi renforcer notre navire, capitaine. Bon, eh bien, écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Nassau. Et puis, on va arrêter la vidéo. Pour les 20 roms, c'était pas compliqué. Il a fallu que je tombe sur un autre bateau avec 20 roms. Bon, ça servira à rien que je vous fasse une preuve, vu que je vais le faire. Je vous montrerai juste à la fin que j'aurai fait. Là, pour 20 roms, honnêtement. Je le ferai sur le pro, sur mon autre partie. En panne, l'air est toute la toile. Envoyez toute la toile en route. Je sais que c'est un bon navire. Alors foulez-moi. Gardez les lignées. Toute la toile, la main dessus. Voilà. Necesita algo? Mais voilà les amis, on va se quitter ici. Donc j'ai pas réussi à avoir les 20 drones, c'est tout, c'est pas grave. La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque. Tu as dû remarquer que dans ces eaux, on trouvait trois fois plus. Salut les amis, donc on se retrouve donc pour la preuve de la mission numéro 5. Je n'avais pas fait comme quoi j'avais ramené les 20 de sucre. 20, oui, je crois que c'était 20 ou 30 de sucre. Enfin, dans tous les cas, je les ai ramenés. Donc nous voilà au port. Et j'arrête. Hop, bien sûr, je monte au seul endroit où il y a un bonhomme. Et voilà, je vais voir le gars pour finir. J'améliore le jackdaw. Je suis désolé, j'ai pas mis la phase parce qu'elle était trop longue, 10 minutes pour 20 sucre, c'était un peu abusé. Et déjà que la vidéo dure déjà plus de 30 minutes à la base, je me suis pas permis, désolé les amis. Et donc voilà. 80, 90, 100%. Donc, allez, voilà, c'était 20 unités de sucre. Donc, je vous dis à plus, les amis. Bye et portez-vous bien. Ciao.